On accueille sur la ligne 9, Karine. Allez, on y va. Bonjour Karine. Allô, bonjour. Karine, pour un coup de cœur, coup de gueule, pour Miss Guyane. Un coup de gueule. Karine, on vous écoute. Voilà, parce que j'estime que Miss Guyane va représenter la Guyane, la culture de la Guyane. Oui. Et en fait, là, je l'ai vue en train de danser, représentant une culture qui était le Suriname. Pour moi, elle n'a pas représenté cette culture. À ce moment-là, elle se présente à Miss Suriname. On a plusieurs cultures en Guyane, mais notre tradition, Karine, notre danse traditionnelle, c'est le gragé, ces trucs-là. Karine, tu as dit que Miss Guyane a dansé la danse de la Guyane. C'est quoi la danse de la Guyane, Karine? Gragé. C'est quoi la danse de la Guyane? Donc pour toi, le Hawassa, c'est pas la danse de la Guyane. Pourtant, les Bushinengue, c'est un sous-peuple. Karine! Rattrape! Karine! Karine! Stop moto! C'est quoi fait là? Tu as divisé la Guyane, mon... Oui, mais là, vous avez certainement vu une vidéo sur un type de danse. Mais voilà, elle montrait les différentes cultures notre département. Non, c'était la culture du Suriname, je suis désolée. Elle est censée représenter la Guyane. Mais oui, Karine, mais elle représente... On monte aussi celui de la Guadeloupe. Karine, en toute objectivité. Chaque département doit être représenté. Alors, elle représente la Guyane. Elle devait danser une danse de la Guyane. T'es en train de diviser la Guyane, Karine. Oui, parce que la danse du Suriname, la danse du Suriname. Quand c'est les vacances, tu vas bouger ou ton gogo? Karine, pourquoi on a répondu à ton appel, Karine? Faut arrêter, Karine. T'es en train de diviser les Guyanais, là. Les Bushinengue, c'est pas un sous-peuple. On est là aussi. Karine, I dormi. Karine. Même ton prénom est... Hey.